got no money. Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. J'avais pris un maillot de bain. Non, mais parce que j'ai habité dans cette chambre avant. Ouais, piscine. On va à la piscine. Ouais, on est tous dedans là. Tu peux venir jouer? Ouais, viens. Profite du soleil. Te souviens-tu d'hier? C'est que j'ai pas vu le soleil depuis 2-3 semaines. Tu sais que là, on est en train de se rendre compte que de base, les vacances, c'est ça. C'est ce temps-là en fait. Quel maillot je mets? Est-ce que je mets ce truc tricoté? Waouh, t'as pas l'air d'être super fan. Attends, t'inquiète. J'ai d'autres options pour toi. Alors, j'ai le maillot de bain une pièce hippocampe. Maillot de bain deux pièces. Maillot de bain de James Bond Girl. Non, mets-toi en deux pièces. T'as pris le bronzage. Fun. T'as raison pour le bronzage. C'est les seuls rayons que je vois. Faut pas que je fasse la meuf avec mon une pièce. Ok, transition. Ils sont des super gros. Piscine check. Je devrais être en train de faire mon montage. Que j'ai vite abandonné comme vous pouvez le voir là-bas. Les gars, m'en voulez pas, c'est juste qu'on n'a pas eu un seul rayon de soleil depuis 3 semaines, donc il faut que je le rentabilise. Vite! It's been a while since I last walked across the city. Mistakes I made here screaming back from every lane. And I was begging for someone to understand me. Bought brand new shoes just to be dancing. Non mais les gars, premier rayon de soleil. Tu sais pas comment j'ai envie de poser mes fesses et de rien faire en fait. Et c'est rare que je dise cette phrase. Moi quand je suis en vacances, je suis la meuf du groupe qui veut toujours faire une activité ou un truc de notre journée parce que j'ai l'impression que si on fait rien de la journée, on gâche la journée. Alors que le repos, c'est en effet quelque chose à considérer. Et moi je considère le repos que quand je suis déjà à bout de nerfs et que j'ai plus d'énergie du tout et que je suis fatiguée et que ça me rend malade et triste. Ça dit quoi sur la nourriture là? Il y a burger. Il y a que McDo. T'en as mangé tellement beaucoup de McDo. Sinon c'est une heure de route. Non mais regarde, si on fait Monoprix et genre on achète des tomates et des mozzarella, on achète du melon, genre on se fait un brunch type. La nouvelle maman. La nouvelle maman. Non, je vais vous régaler un festin de roi. Je sais pas cuisiner Lucas donc ce sera que des trucs froids. Non mais elle est comme moi. Triangle. Mauvais plan. Attendez, j'ai repéré un truc. Tu veux du contenu pour ton vlog, tu veux qu'on mange? Les deux. Sois honnête, Léna. Les deux. Du melon, de la pastèque, des tomates, de la mozza, de la basilic. Au melon et à la pastèque, voilà, ciao. Merde. Tu m'as séduit là. Je suis allergique à la tomate. Et moi, la mozza, ça passe mal. Pas possible. Vas-y, refais une propale. Tomate mozza. Du basilic. Ah, moi, basilic. Ouais, littéralement, j'ai une allergie, je crois. Des pâtes? Pâtes, c'est compliqué à cette période de l'année, je trouve. Bon, bah niquez vos races, hein. Aïe, ok, on est sur une nouvelle mission les copains et c'est ma mission personnelle cette fois-ci. Il faut aller nourrir la fratrie parce qu'on a un petit problème d'organisation en termes de nourriture où on se laisse un peu vivre, un peu trop vivre au point où à 15h nos ventres crient famine en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je suis rentrée dans la pièce et j'ai dit je m'en occupe. Qui m'aime me suivre, on va au Monoprix. Tu me suis au Monoprix? Ok, je viens de dire qui m'aime me suivre mais... Je sais, j'ai entendu, pour ça. Est-ce que vous pouvez prendre des softs? On a plus rien à boire. Ok. Genre vraiment, on a pensé vraiment alcool. Mais là, si on veut juste boire, je sais pas, un coca ou... J'ai pas bu d'eau depuis 3 jours. C'est... Je suis un pruneau. Mais là, parce que j'ai vu dans les commentaires que ça leur fait plaisir qu'ils nous voient. Et là, ils vont mettre ça sur Twitter en disant « Mais regardez comme ils sont mignons, ils mangent des Doritos. » C'est incroyable. Ils se regardent trop mignons mangeant leurs Doritos. Pas trop mignons, hein. Hugo, Rizzo, Théo, t'es prêt à régaler la fratrie? Oh putain, le sauna.
Ok, clim al maximo. Vous êtes prêts pour les belles courses? Ouais, j'adore ça, putain, le rayon surgelé, ouais. Mais vous savez que je le prends hyper à cœur qu'on fasse les courses là tous ensemble et que genre, on leur a promis un repas de roi. On leur a peut-être promis la lune. J'aimerais vraiment aller faire un truc très très stylé. Est-ce que vous pouvez me promettre qu'on va leur faire vraiment un truc très stylé? On va leur faire un truc incroyable. Est-ce que je suis bien garé? Je crois pas, mais Osef. Come on, Monoprix! C'est parti, let's go! Ouais! Allez, qui s'assoit dedans? Le max de fun commence! Et on accélère! Go! T'as évité de peu un drame national. Tu penses que ma mort ce serait un drame national? Je pense que c'est un drame national. Je pense que Macron il fait une déclaration, il dit oh là les blocs doux en plus, tout ça, tout ça. Non en fait normalement tu t'écoutes et tu fais semblant de capter quelque chose. Ouais, j'entends rien là moi. Moi je suis déjà pote avec lui là, on a parlé. Non. C'est vraiment Neymar qui a signé ce gâteau. À mon avis c'est lui qui a fait tchac. Il est venu au mono. Non mais c'est drôle qu'on arrive avec la surprise. On est là pour manger. Non mais c'est bientôt la rentrée en fait. Alors explication. On a un champion. Et champion olympique de hula hoop. Et il peut le faire au moins combien de temps? Je sais pas, longtemps. Toute la durée des courses, tu marches en faisant ça. Juste tu fais les courses en hula hoop. Ouais, mais il est trop léger, il est trop petit. Monsieur, en fait, il faut un bon dosage dans le gramme, il faut une vraie densité sur la corde. Et vous pensez quoi de... Vous pouvez évaluer nos trucs? Ça, c'est comment? Ça? Ouais. On jette. Oh non. Hey. As a jerk, I never fell in love so easy. The ones who'd been discovered, I wouldn't stay for long. And if you read my past, hope that you'd forgive me. Je me sens comme Brie, vente de camp. Je vais faire comme les mères. Les enfants, à table! J'ai eu peur. Je comprends pourquoi ma mère était vénère quand je répondais pas tout de suite. Ouais, c'est insupportable. Tu t'es un peu fait chier et tout, et ça traînasse, tu vois. Non seulement t'as fait les efforts, et en plus t'as l'impression d'être derrière, tu vois. Genre déjà, non, fais chier, attends, pendant 10 minutes. Pour voir où j'ai ressenti le truc. Ça régale, ce petit buffet, là. Oh, Léna, t'as fait une dinguerie. Là, t'es une bosse. Ouais. Oh, tu nous régales. Je fais pas ça souvent, je vais pas te mentir. Oh, tu nous as régalé. Ouais. Mais tu sais totalement faire, t'as menti. J'ai copié sur Instagram. J'ai vu plateau fromage. J'adore Instagram. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, les enfants. Merci à tous. Merci pour le repas. C'était vraiment très sympa et très visuel. Je suis ému. C'est la régalade. Mais c'est ouf. Et il y a une surprise de fin. Ah ouais. Ah bon. Une vraie surprise de fin qui vole des trucs. Un beau dessert, les gars. Le meilleur. Ouais. Il a deux sourcils mais quand même. Ah mais oui. Dans l'œil. Ouais. Les enfants sont en train de pleurer. Dans l'œil. Qui veut du mignon? Délicieux. Tu dois y aller. La toute première photo de mon Instagram, c'est marqué « Liké par Hugo Decrypt » 2013. T'as posté combien de photos? Je dois en avoir au moins 2500. Ce gros chineur. Like. Non, la toute première. Non mais c'est genre, la toute première photo, et c'est un mystère. Et l'autre jour elle me dit C'est pas un mystère. Bah si, c'est un mystère. C'est pas un mystère. Mais pas du tout. Bah vas-y, fin de solution alors. Bah c'est juste à l'époque. Mais vous pensez que j'étais juste sur Insta? Bah tu chines. Et la première photo d'une fille? Mec, tu chines. Je suis un gros chineur, les gars, en fait. Enfin, tu vois, je la connaissais pas il y a 5 ans. Enfin, c'est ça ce que je comprends. C'est tombé sur son compte Insta. Ouais, c'était les like for like. Voilà la photo. Alors. L'algorithme. Non, mais c'est même pas la première, c'est la deuxième. 1er décembre 2012. La photo, c'est ça. C'est trop bien. Bah quoi, hein? C'est pas la photo. C'est vraiment ta première photo. Le rattrapage laborieux. 2012, j'avais 15 ans. 2012, j'avais 15 ans. Et toi aussi. Et toi, 14? Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre, non? C'est un vrai mystère. Ouais, c'est bon. Il a qu'en 2012. Ouais, ça fait 10 ans qu'on se connaît, moi et moi. C'est... Voilà, que d'amitié. Les petits délires en 2013, là, à la sortie du collège, là, ouais. Vous me promettez que mon iPhone il va pas mourir? Ok. Tu m'as fini, je dis que mon iPhone pour juste filmer vos pieds. Moi je pense que ça vaut le coup.
s'appelle le burrito, ça se fait avec une vlogueuse et un tapis. Viens voir, viens voir. C'est trop ça magique. Veut dire que les gens, s'ils sont pas youtubeurs, ils peuvent pas non, le faire. Non, ils peuvent pas. Oh merci. Allons qu'est-ce que tu fais? Non, je sais pas. Allons, je sois vraiment genre là, comme ça, ici. Alors, tout à l'heure, je sais ce qu'on va faire. Et hop, là, là, comme ça. Je suis allé en dépôt d'un camion. Ah bah, c'est con là. Et voilà. Il y a une carte à sauce salsa. Eh les gars, on a trouvé une faritas. On mange mexicain finalement, je comprends plus là. Avec pas grand chose. Ouais, hein. Maintenant on va se doucher là. Et voilà, mais ça, c'est du bon. Et j'ai presque fini le vlog, vous venez le voir après ? Ah ouais ? Vous vous rappelez la belle pizza qu'on a faite hier ? Eh bien ce soir on la mange. Re, c'est moi de nouveau dans la chambre avec mon hoodie, comme tous les soirs depuis 3 jours. J'ai très mal à la tête depuis cet après-midi. Et s'il y a des copains qui sont migraineux ici, vous savez ce que c'est, ce sentiment de. Je ne peux plus rester dans une pièce avec des gens, il faut que je m'enferme dans le noir, sinon ça ne passera pas. Je sais pas pourquoi, mais genre depuis que je suis toute petite, écoute, j'ai des fortes migraines. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, et là c'est venu pour notre plus grand bonheur, ça tombe bien parce que c'est pas comme si j'avais genre 31 vidéos à faire, à monter, etc. C'est pas grave, genre je vais boire un max d'eau. Oh, tu m'as fait super peur. Mais pourquoi elle raconte sa vie, elle? C'est une question que je me pose tous les jours. Pourquoi je raconte ma vie sur internet? Et voilà ma participation. Allez, au lit. J'ai pas vu ton truc là. Quel truc? Le vlog. Mon truc. Le vlog, ouais. Il faut que je vois. Ouais, bah n'hésite pas à mettre un peu plus de respect sur mon truc. Truc numéro 4. C'est drôle, non? J'essaie de trouver une morale à ce vlog, mais je crois que finalement il y en a pas. Parfois il y a des journées où juste bah tu fais rien. Ouais, c'était cool aujourd'hui, hein. C'était chill. Oui, mais eux après ils regardent le vlog et ils s'ennuient. Et ils disent qu'on est trop nuls et que je suis une grosse merde. Ouh, bah tranquille. Bah allez. À demain! Buvez de l'eau! Oh, allez! Ah, mes souhaits! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be